Après quelques jours de stop à Las Palmas où j'ai pu embarquer, on a aussi pu rencontrer non seulement les médias mais également plusieurs personnes de l'île qui sont venues visiter le bateau, qui étaient très intéressées par Planète Solar. Vendredi matin, les batteries pleines, on a pu s'élancer pour cette grande traversée de l'Atlantique sur les traces d'Alain Bombard, de Christophe Colomb et de Magellan, et également du Sun 21, le premier bateau solaire qui a traversé l'Atlantique il y a 3 ans. Dans la soirée, suite au fait qu'on avait endommagé un panneau solaire, Jens et Daniel ont pu changer de panneau solaire et maintenant on est en route pour cette grande traversée, la traversée de l'océan Atlantique, plus de 6000 km non-stop jusqu'à Miami. Voilà, à tout bientôt. I can see you. You will come from the starboard. Navidad y feliz año nuevo. Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Merry Christmas and Happy New Year from Planet Solar. Schöne Weihnacht und guten Rutsch ins neue Jahr. Salut. Au revoir. Center here.
they have The whole mission just shows that there is a chance for us, we only have to take it, a chance for a good future without fossil energies. Bonjour et bienvenue à bord de Planète Solar. Bonne année 2011 à vous tous. Ça y est, c'est fait. On a quitté l'océan Atlantique, traversé le canal de Panama, réalisé une première navigation transcontinentale. Derrière moi, 15 000 km à traverser et à parcourir avant de rejoindre l'Australie. Mais avant ça, ce sera les îles Galapagos qu'on va rejoindre dans quelques jours. Alors, continuez à suivre nos aventures et à tout bientôt. Salut! Daniel, un des responsables du parc national des Galapagos, explique à Raphaël la difficulté et l'importance de protéger la biodiversité de cet endroit unique au monde, malgré un afflux de touristes toujours plus important et les changements climatiques. Thank you.
On the fourth. The hands. You don't know how to count. Three or four, five people. It's for assistance, technical, for help for my friend Rafiko. Cutting the channel. Cutting the channel because for free the shaft. Free the shaft. No, no teníamos que fallar, si nos reportaron ya no había que agarrar. Pero que también lo teníamos. También se encargaron el chiquito que está ahí. Así es. Una hora. Una hora. Una hora. Una hora. Una hora. José Moscoso, responsable du projet, explique à Raphaël comment fonctionne le système thermovent. Les génératrices adaptent leur puissance en fonction de la production des éoliennes et de la consommation de l'île en temps réel. Grâce à l'énergie du vent, l'île de San Cristobal a réduit sa consommation en fuel de 40%. Et ce n'est que le début, la région ayant pour but d'être 100% renouvelable d'ici à 2017. Bonjour à tous et bienvenue à bord de Planète Solar, ici de l'archipel des Galapagos. On a mis maintenant cap à l'ouest, direction les îles Marquises, plus de 3000 milles à parcourir, 6000 km avant de rejoindre la Polynésie. On dit maintenant adieu aux Galapagos, où on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer les habitants de cet archipel, mais également les autorités politiques qui ont montré un énorme intérêt pour notre bateau solaire et qui ont pu constater aujourd'hui, on a la technologie disponible et on a l'énergie pour changer. Moi, je vous dis à tout bientôt. Salut! Ce navire-là juste à côté. Je suis là parce que même si tu vas demander à un pauvre ici, s'il veut un bateau solaire, il va vouloir. Jérôme, un guide de randonnée local, explique à Raphaël que depuis plus d'une année, les Marquises souffrent d'une sécheresse exceptionnelle. Pour les Marquises, ça va, il fait bien, il y a des périodes plus ou moins longues, mais là on a quand même battu un peu des records de longueur, de sécheresse, c'est un peu dramatique. Bienvenue à bord de Planète Solar, ici de l'archipel des Marquises, à Tawata, l'avant-dernière île
avant de quitter les Marquises, où on va prendre la direction plein ouest pour rejoindre Tahiti. On a eu des super conditions de navigation pour parcourir les 3000 milles qui séparaient les Galapagos de la Polynésie, avec des super conditions d'ensoleillement. Et à notre arrivée ici, on a eu un accueil très chaleureux où les Polynésiens croyaient voir arriver un vaisseau spatial. Tout le monde voulait nous voir, tout le monde voulait parler avec nous. Et ici, ce bateau solaire a eu vraiment un accueil extrêmement favorable. Moi, je vous dis à dans un mois. On sera à ce moment-là à l'approche de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, ce sera l'Australie. À tout bientôt. Salut. You have to go back. Yeah. No. Oh, oh. Wow! Yeah, you do. Calédonie et l'Australie. Depuis les Tonga, on a eu des conditions de navigation assez favorables pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie, où à notre arrivée, Philippe Tisson et des dizaines de bateaux étaient là pour nous accueillir, mais également pour faire des images assez extraordinaires de planètes solaires. Et on est très heureux d'avoir rencontré Philippe Tisson, qui est notre nouveau parrain de l'aventure. En Nouvelle-Calédonie, on a eu la chance d'avoir le soutien de nos partenaires comme l'IFREMER et Météo France qui étaient là pour nous permettre d'avoir vraiment une escale très agréable. Et maintenant, on a quitté il y a un peu plus d'une semaine Nouméa avec des conditions au départ relativement
favorables, avec des vents importants. Et maintenant, depuis à peu près 48 heures, on est dans des conditions ici très difficiles. On est à la porte de l'Australie, mais on a du vent très défavorable avec des rafales de plus de 40 nœuds et une mer très formée avec des creux de plus de 4 mètres. Donc on doit un peu lutter contre les éléments et on espère d'ici deux jours pouvoir rejoindre l'Australie et Brisbane où nos partenaires nous attendent et où on va commencer notre programme éducatif avec notre partenaire C'est autour du monde. On a eu un changement de capitaine à Nouméa, Patrick Marchesson nous a quittés et c'est maintenant Erwan qui est à bord et qui pilote ce navire avec, j'allais dire, beaucoup de talent malgré les conditions difficiles. Merci à toi Patrick, on se retrouvera prochainement, il va revenir à bord probablement début d'année prochaine pour naviguer sur PlanetSolar. Et moi également je vais devoir quitter PlanetSolar pour rentrer en Suisse pour subir une opération et j'espère pouvoir revenir prochainement à bord. Voilà, donc je vous remercie de toutes nos aventures et moi je vous dis à tout bientôt. Salut. Good morning, I'm Erwan Lorozic, I'm the new captain of Turanor PlanetSolar for the next few months in replacement of Captain Patrick Marchesso. For this month of June, we were in Australia. We'll be right back.
Bienvenue à bord de PlanetSolar. On a eu des conditions relativement difficiles, peut-être les plus difficiles depuis le début de cette aventure, lorsqu'on a dû descendre le Vietnam pour rejoindre Singapour. Mais on a réussi à manager ces conditions relativement délicates grâce également à Météo France, à notre équipe Météo France qui nous suit depuis Toulouse et qui nous a aidé à trouver les conditions les plus favorables pour rejoindre la ville de Singapour. À Singapour, on a mis PlanetSolar à sec. Contrôler le bateau, contrôler la structure de PlanetSolar pour qu'il soit vraiment en parfait état de fonctionnement pour ce dernier quart de notre tour du monde en direction de Monaco. Actuellement, on est dans le détroit de Malacca. On est le premier bateau solaire à se lancer sur la traversée de l'océan Indien. On est en route pour rejoindre Phuket en Thaïlande. Et depuis Phuket, ce sera alors une navigation un peu plus délicate que ce qu'on a pu avoir ici dans le détroit de Malacca, où les conditions étaient relativement favorables du point de vue météorologique et les courants également. On est dans une situation de bascule avec la mousson et ce sera quand même à peu près 2000 km à traverser pour rejoindre le Sri Lanka. Depuis le Sri Lanka, ce sera une navigation côtière en direction de Bombay, à nouveau environ 2000 km pour remonter l'Inde jusqu'à la ville de Bombay. Moi je vous dis au mois prochain, à tout bientôt. Salut. Planet Solar is just a move of it.
L'année passée, c'était l'Amérique du Sud, la Colombie, Carthagène. Cette année, on est dans le golfe arabo-persique, plus précisément au Qatar, à Doha. Il nous reste à peu près 4000 miles à parcourir pour rejoindre Monaco, mais ça, ce sera pour l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël, une belle année 2012. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye. Bonjour et bienvenue à bord de Planète Solar. On s'était quitté il y a maintenant à peu près un mois, au début du mois de février. Avant la difficile traversée du golfe d'Aden, on a donc embarqué 6 hommes à Abu Dhabi et on a récupéré leur armement au large des côtes d'Oman pour nous protéger, pour réaliser cette dangereuse traversée du golfe d'Aden et également le début de la montée de la mer Rouge. On a fait une courte escale à Djibouti avant de reprendre la mer pour rejoindre la mer Rouge. Après la traversée du canal de Suez, on s'engagera sur la difficile traversée de la Méditerranée au mois d'avril, tôt dans la saison, pour rejoindre Monaco, qu'on espère atteindre au début du mois de mai. À tout bientôt. Salut.